Salut à tous, c'est Damzou sur EUI4 avec la France. C'est toujours dans sa campagne où franchement je suis dépité. Mais je suis toujours dépité parce que je sais très bien que la campagne est. Le projet que j'avais est gâché. Tout ça parce que eux ils veulent rien me donner. Algarve aussi. Qu'est-ce que je pourrais encore revendiquer? Non, allez, je vais améliorer les relations avec le pape. Je peux pas, je suis en guerre avec lui, merde. L'Angleterre. On va rien dire. On va essayer de pas rater l'entrée en guerre possible de Provence contre moi. Portée coloniale, yes! J'ai la portée ici. Oh putain, je peux la porter, c'est donc je peux coloniser ici maintenant. Je peux même peut-être prendre les deux. Non, je peux prendre que celle-là. Il faut que j'envoie. Oh bah. 4000 hommes, on va pas en envoyer des millions non plus. Vous. Vous me mettez deux comme ça, un comme ça. Non. Ces 3000 là, vous partez à Poitou. On va tout de suite vous transférer. Voilà, première colonie lancée. Tiens, il y a même une armée qui est en Castille, quoi. Sinon, ça vous dirait simplement d'atomiser l'armée adverse que j'ai enfin un peu de temps. Donc, je sors 4 cogs. Je sais que la flotte d'Aragon était très puissante. Alors, il y a marqué décembre. Il faut surveiller parce que si je rate à un jour près, c'est fini. Le 6, le 7, le 8, le 9. Bon, c'est quand même long, les mecs. Alors, s'il vous plaît. Ouais, en plus, mon chef Philippe. J'ai bien mis le jeu en pause. C'est parti, hop. Attaque. Toi, tu peux appeler Florence si tu veux, je m'en fous. C'est fini pour toi. Ouh, ma flotte, elle est passée à travers. Parce que là, il y avait la grosse flotte d'Aragon qui était à côté. Voilà, sauve-toi Florence si tu veux, t'as continué à essayer de piller, je suis sûr que tu peux piller quelques trucs. Commence à te positionner là. Et là, vous me dites qu'évidemment, j'ai pas la portée pour coloniser. Djoulof. J'enverrai bien une armée pour vous attaquer un jour. Toi, retour de Poitou maintenant. Il y a un petit groupe de 35 000 hommes. Apparemment, il n'y aura pas de mariage ibérique. Bohème qui est toujours. Ouh, ils vont se retrouver à 40 000 contre 20 000. Non, en fait, ils vont pas se retrouver parce que l'armée s'est fait atomiser. Ils ont un gros problème d'armée là, les. Ouh, mes transporteurs qui sont encore passés du stess. C'est vraiment les transporteurs de l'extrême. Mince, j'ai pas appelé la Castille. Du coup, une guerre contre le Portugal, la Castille, il y avait pendant combien de temps? Encore 38. Je suis sûr qu'au bout d'un moment, elle viendra plus. Allez, vas-y, va au fort directement. Le roi de Pologne est souvent décédé, c'est pas grave. On lui en veut pas. De toute façon, il passe son temps à décéder. Ouais.
Et un deuxième pour la classe. Ok, donc j'ai viré l'armée de... Voilà, bon, j'ai viré toutes les armées que vous avez. Donc maintenant, vous êtes gentil, vous vous soumettez. Et je vais juste prendre Provence. Allez, je suis totalement bloqué là par ce fort. Ok, le fort m'a totalement immobilisé. Meiningen, je sais même pas pourquoi Meiningen se promène. T'es sûr que tu peux pas la signer la paix avec Venise là? T'as pris la capitale, signe la paix quoi. En tout cas, à côté, Aragon, ils doivent pas être en état de... Avec leur double guerre, je les vois pas faire les malins. Oula, par contre, eux, je les vois bien faire les malins où ils vont là. Attention où tu vas. Je crois que mon héritier il me plaisait pas du tout et mon héritier était nul. De toute façon, mon roi est déjà nul. Faut pas se mentir non plus. En Auvergne, et bon, on va pas bouger de l'Auvergne parce qu'on va pas attaquer une montagne. Le Lyonnais, et ben on est parti pour attaquer le Lyonnais du coup. Je sais que les Africains ils vont passer leur temps à se rebeller. On est dans la merde là. Parce que du coup... Ah bah non, on va attendre qu'ils... Déjà? Putain, je les ai à peine laissés bouger 30 secondes et j'attaque une montagne du coup. Et... Voilà, Aragon qui vient se taper contre moi. Ah non, contre Meiningen. Bon, c'est pareil, c'est comme si c'était contre moi. Allez les mecs, faut tenir la position. C'est bien, vous avez tenu la position. Florence, ça vous dit, on fait une paix séparée maintenant? Parce que si vous voulez, on peut aller très loin encore, mais bon. J'ai dit Florence. Voilà, Florence, 85%. Donc vous me donnez des réparations de guerre, vous me donnez tous vos sous. Vous abandonnez vos trois alliances. Puis on va pas aller plus loin que ça hein. Voilà, au revoir Florence. Et moi je repars chez moi. ...98, c'est quel mois déjà? C'est en avril. Ah et ben c'est parti pour bientôt. Ok, ça continue de... Alors. Fin de la trêve. Je peux plus. Est-ce que toi, t'es toujours allié à l'Angleterre? Oui, par contre, maintenant, j'ai plus une seule revendication sur l'Angleterre. Ouais, et... Non, par contre, j'ai pas un seul allié qui veut venir en guerre avec moi. Bon ben je vais commencer à revendiquer l'Angleterre à nouveau. Ah ça je l'avais pas vu, autant pour moi, j'arrive. Pardon 250 ducats. On est riche, on a les moyens. Va cartographier la côte du Brésil. Donc ça va quand même, ma première colonie, elle a été lancée avant 1500. On est bon là-dessus. Par contre, j'ai pris un emprunt de 300 et quelques. Ben, on va en profiter un petit peu de ces 300 et quelques, tout de suite on va les dépenser. Voilà. Autant dépenser le liquide qu'on me donne. Je vais faire la paix avec Provence qui va certainement déclencher la plus grande coalition de l'année. 14. Ouais.
Bien, et maintenant je vais faire la guerre à eux. Provence, ça coûte 200 points. Une province à 26, ouais, c'est vrai, c'est pas mal. C'est une belle petite province que vous avez là. Je vais quand même couper ça parce que j'ai pas envie de la payer. Et voilà, ils ont rejoint la coalition. Savoie et Portugal, ils sont tous retournés dans la coalition. Trêve aussi. Ah, trêve. Même trêve dans la coalition. Là, par contre, je m'attendais pas à ça, là. Ok, que des niveaux 3, pas de soucis, les mecs. Donc, relation avec eux. Savoie, je peux rien faire. Si Savoie, on peut continuer. On est reparti pour bosser avec eux. Ça, il faut attendre 30 ans. Alsace qui rejoint à nouveau la coalition. Aix-la-Chapelle. En gros, on va se préparer à attaquer le Lyonnais, comme d'habitude. Ah non, changement de direction. Peut-être plus vers le nord en fait. Alors précisément, où tu veux aller, espèce d'armée du pape. Voilà, coupe-toi en deux. Toi tu vas au Limousin, toi tu vas en Auvergne. x3 s'il vous plaît, pour ça c'est plus simple à gérer. Toi tu vas aller en Languedoc. Bon, c'est une colline, tu vas aller les péter. S'ils veulent attaquer sur les Périgord, ils attaqueront sur les Périgord. A mon avis, ils vont simplement aller au Lyonnais encore une fois. J'en ai ras-le-bol de vous, franchement, les Autrichiens, là. Vous venez pas à signer votre paix? Bon, eux, ils reviennent vers vous. Du coup, il y a Aragon qui est en train de me haïr. J'en sais pas pourquoi, parce que j'aurais rien fait, moi. Je vous signale, c'est vous qui m'avez attaqué. Et ça, on va le rappeler quand même, c'est vous qui m'avez attaqué. Moi, je vous ai rien fait, les mecs. Il va vers le Lyonnais. Toi, repars au Dauphiné tout de suite. Alors, ils vont vers où, ces gens-là? Bien, alors, est-ce que j'ai la portée pour le Brésil? C'est cool que j'ai la portée pour le Brésil. Maintenant, il peut me faire... Chizapic, vas-y, va bosser. Toi, tu vas venir par là. Tu vois, tu vas en Auvergne. Je veux que tu m'envoies tout de suite un groupe d'attaque. Allez, 4 comme ça. 2... Voilà, 8... qui vont tout de suite s'occuper des colonies brésiliennes. Tu veux venir à Rouergue? Ok, c'est réglé, on va se taper à Rouergue. Toi, tu vas t'occuper du protéger le Languedoc. L'armée de Castille, elle est présente. On peut repasser en vitesse 4. Donc, tu rentres dans les navires. Qu'est-ce que fait ici l'armée Mamelouk? Enfin, je comprends plus rien, moi. Et tu viens ici tout de suite pour la suite de l'aventure. En espérant que la flotte machin chose n'ait pas envie de nous agresser pendant le chemin. Toi tu vas au Lyonnais, toi tu vas au Dauphiné. Sincèrement mec, la Castille est en train de te tuer et la Castille veut te tuer. Moi je veux rien faire du tout. Alors laisse-moi tranquille. Que des niveaux 3 j'en veux pas.
Je sais pas ce que tu veux. Voilà, mais continuer à revendiquer l'Angleterre, de toute façon, je peux faire que ça. Tout ça parce que j'ai pris une province qui s'appelle Provence. Toutes les coalitions ont répété à cause de ça. Et un niveau 3, je peux pas le payer de toute manière, alors. Alors, le chantier naval, j'en veux pas. Et le fort, j'en veux pas non plus, Provence. Voilà, c'est réglé. Ah bah tiens, débarque à Rio Grande. Bah tiens, du coup... Tu vas aller cibler combien d'hommes? 1500, c'est parfait, t'en laisses 1000. Toi, tu vas me prendre un conquistador. Et le conquistador, il va foutre sa merde. En attendant, le général classique, c'est-à-dire lui, il va être remplacé par celui-là. Parce que lui, je le dégage à coup de pied au cul. Voilà, ça s'est remis en place. Donc, vous... non, quoi que... Vous attendez. Vous allez... moi, j'aime bien préparer... Proposons des échanges commerciaux. Moi, je suis toujours pour le commerce. Tu vas quand même laisser un peu plus d'hommes que prévu. Voilà. Et vous, vous pouvez y aller. Maintenant, toi, tu reviens en Europe. Donc, j'ai lancé mes deux colons avant 1500. Ça, c'est très bien. Mes alliances sont totalement dispersées dans différentes guerres, donc ça ne me plaît pas du tout. Provence, je peux pas Corée, et en plus ça coûte trop cher avec ma lassitude de guerre que je sais pas pourquoi j'en ai. Ben, on va contourner le lac. On n'est pas fous, nous. L'armée d'Aragon n'existe plus, elle va se faire écraser. Pour l'instant, je veux des points administratifs. Non, je veux des points diplomatiques. L'administratif, c'est juste Provence qu'on va payer dans un mois normalement. Ça va être bon. Ils ont capté que je voulais les choper, c'est pas grave. Voilà, ça c'est fait. Toujours pas de nom. Bon, si vous voulez me faire chier, en fait, continuez comme ça, il n'y a pas de souci, hein, les points, je peux rien y faire. Donc là, Aragon, s'il pouvait signer une paix assez vite, moi je veux bien, parce qu'en plus, j'ai rien fait. Quoi? La prise de Provence sur Aragon, ça les a fait péter un câble. Bah si c'est ça les mecs, moi je vais vous revendiquer, hein, franchement. Je peux pas le faire, c'est vrai. Toi tu vas aller là, et toi tu vas attaquer la province suivante. Je vais aller faire des dégâts chez vous les mecs, hein, si vous me cherchez. Toi tu vas aller à Gérone. Occupation par Meningue, voilà. Moi, je vais vous récupérer une province. Autant tout de suite vous y faire. J'aurais préféré que ça arrive plus tôt. Est-ce que j'ai revendiqué tout ce monsieur-là? Bon, de toute façon, les 1500 sont passés, donc c'est fini. On n'aura plus jamais l'event pour choper la Bourgogne. Le mariage ibérique, je pense qu'il n'aura jamais lieu. Les états pontificaux, oui. Ah, toi, fais-toi plaisir, découvre le monde. C'est qui ça? C'est pas les Portugais qui font ça, non. Ah, pour l'instant, ça va, je suis premier. Je suis le premier à avoir débarqué au Brésil.
Ça, c'est pas rien quand même. Premier sur le Brésil. Donc, encore un truc. Maintenant, vous partez découvrir la cartographie de la baie. Attention, les Portugais, enfin non, les Portugais, les Autrichiens, est-ce que vous pouvez me signer cette paix? Sincèrement, c'est fini là. La guerre est finie. L'un ou l'autre, je m'en fous totalement de ce que vous me proposez là. On en est encore à un 13 là-bas. Alors, ok, le faire revenir. Lui, j'ai fait ce que j'ai pu. L'Alsace. On va continuer un petit peu. Trèves, j'ai fait ce que j'ai pu. Brabant, il n'y est plus. Milan. Eh ben, on va discuter avec Milan. Décision. Ils ont adopté la loi sur l'uniformité. Si tu veux. Enlève-moi un peu de prestige, t'en voudrais pas. J'ai 30 000 hommes qui sont positionnés là, donc on est plutôt pas mal. Ah, c'est quoi ça? Finistère et Nantes? Allez, on augmente les capacités de colonie. Toujours que des niveaux 3. Si vous pouviez crever les mecs, ça me ferait plaisir. Il y a des embargos entre eux. Science militaire, c'est beaucoup trop tôt. Alors. Toi, t'es pas à 20. Maintenant, t'es à 20. Toi, t'es à 20 passé. Non. Un bois. Ouais, le sud de la France, c'est pas un territoire génial. Montagne, bois, prairie, c'est bien fond. On joue Maine, non, Alençon, Co. Et ben en fait, ah non, Armor, pas encore. Voilà, Armor est à 20. Et du coup, Armor, je te ferai faire tout de suite un truc pour les soldats, parce que je pense que t'as beaucoup d'hommes à me donner. Je peux plus revendiquer le Nivernais. Attendez. Y'a personne qui a débarqué sur mes soldats quand même. C'est jamais ça, c'est le genre de truc con qui pourrait m'arriver. Mettons-le en quarantaine. Alors là, je crois que du coup la colonie va pas avancer. Donne-moi la puissance administrative. Voilà, Aragon qui a pris une défaite. En même temps, Aragon. Ils avaient qu'à se soumettre depuis longtemps. Je suis obligé de passer par là-bas. Bah, je vais aller à Gérone. Je vais rajouter 2 canons. Parce que 3 canons, eh ben non, ça fait rien du tout en fait. Donc vous allez rester là. Vu que j'en ai que 3 et pas 4. Oh mec, arrêtez de me saouler avec n'importe quoi et acceptez de signer la paix. Toi, tu vas me faire maintenant les Caraïbes. Provence qui est Corée, c'est parfait. Bon, maintenant, eux qui sont dans la coalition, j'ai pu y toucher avant longtemps. C'est le Maine que j'avais dit tout à l'heure. Ouais, c'est le Maine que j'ai bien développé d'un seul coup en militaire. Non, c'est pas lui. C'est l'Armor. Alors, pas celui-là. Et voilà, va me faire des soldats en plus. Savoie, ils ont replongé dans la coalition. Oui, Savoie a replongé dans la coalition. Et je vais aller prendre cette province-là aussi. Mec, me dis pas que la province que tu veux prendre, tu peux pas la prendre là.
Diplomatique. Vous êtes des mythos. Je suis sûr que la province que tu voulais, tu peux l'avoir. Mais t'es tellement un mytho. Ah, il y a un plus 2. C'est déjà ça. Je gagne combien? 14. Et bah au moins, je vais prendre le plus 2. Eux, ils vont se rebeller. Donc, je vais devoir en bientôt préparer. Eh ben voilà, on a obtenu la paix. J'ai pas un petit cas de visibilité sur un truc, moi? Attendez. Ouais, en fait, ils ont fait plein de choses, mais ils m'ont rien donné, bande de salauds. Bien, parce que maintenant, il faut que je me trouve un adversaire, moi. Brabant qui m'offre une alliance. Est-ce que Brabant peut m'intéresser? Brabant est allié à l'Angleterre, donc ils m'intéresseront pas, c'est sûr. Et Aragon, bah maintenant que je suis allié à un rival, ils m'aimeront plus. Eux, par contre, ils vont m'aimer un peu plus. On va même s'assurer qu'ils m'aiment un peu plus que prévu. L'Autriche. Je peux pas. Brabant. Allez, on va prendre Brabant. Combien ils ont? Ils ont au moins 20 000 hommes. 14 000. Parfait. Là, je vais pouvoir prendre le niveau 2. Et la réserve nationale. L'Autriche qui s'est alliée aux états pontificaux. Mauvaise nouvelle, mon roi qui meurt. Ouais, j'aurais voulu que ce soit l'héritier qui meurt et pas le roi. Le prochain est très bon par contre. Voilà, on va faire des mariages royaux un peu partout. J'ai pas prévu d'attaquer Brabant. Je peux plus revendiquer Brabant. Des hérétiques? Ou des erratiques, c'est quoi la différence? Bon, allez au Poitou. Ma stabilité, elle en prend toujours un, elle en prend un sacré coup. En avant. Putain, du coup, j'allais faire une petite guerre en Afrique. Ouais, mariage royal avec toi aussi. Allez, venez, mariage. C'est la guerre. Bon. J'ai quand même du monde avec moi. On va pas se mentir, j'ai même beaucoup de monde avec moi. Faut savoir que si, il y a toute l'armée anglaise qui n'est pas prête d'intervenir. Va juste falloir qu'on attende que toutes nos troupes se réunissent. Ah ouais, et aussi il faut quand même qu'on sait que j'ai une grosse partie de mon armée qui sera pas disponible. Bah, déjà Brabant, merci à toi de prendre la première attaque. On va toucher moins d'impôts, je m'en remettrai. Je veux que tu ailles faire la guerre là-haut. Alors, c'est 50 points administratifs. Fou, il faut de l'argent là. Si tu peux trouver de l'or, je suis content. Quelle déception, mais au moins on a pris du prestige. Alors, je vais tenter du coup d'abattre l'armée de Savoie. L'armée autrichienne, elle est par là. Elle arrive vers moi. L'armée polonaise, elle arrive. Au minimum, faut que j'empêche l'armée anglaise de pouvoir débarquer. Ce qui a l'air d'être le cas actuellement. Pour aller en Île-de-France, il faut que je passe par où? Par Alençon, c'est très bien, ils vont être 26 000. Vous avez croisé l'armée portugaise, vous.
Ok. Et vous avez croisé l'armée portugaise deux fois. Alors là, il va falloir que vous m'expliquiez comment vous avez fait pour la croiser en si peu de temps, si vite. Bon. Vous, vous attendez un mois et vous y allez. Et vous allez y aller. Coupe par là et retrouve-toi là-bas tout de suite. J'attaque. Oh, ça c'est par contre, ça c'est une bonne prise. Là, j'ai sorti un joli bloc d'armée. Le 29, c'est pas mal, je peux choper ce bloc là aussi. Un roi Habsbourg qui est mort. On va tout de suite retourner. Est-ce qu'ils ont encore des héritiers? Il a encore un héritier directement, oui. Voilà, lui, il est mouru. Je vais me faire l'armée de trêve. J'ai envie de choper ces 7000 là, je sens que je peux le faire. En avant. Ah. Plus ça en production locale. Chez des indigènes. Je suis pas sûr que ce soit le bonus le plus génial de toute ma vie, mais pourquoi pas. Voilà. Sur ce, ça fait une demi-heure, on s'arrête ici. Et on se retrouvera demain pour la suite de cette carte coalition. Ciao, ciao.